Oui, maman, oui, papa, j'ai bien compris. C'est pas la première fois que je vais rester seule pendant une nuit à la maison. Oui, mais enfin, la dernière fois que nous sommes rentrés avec ton père, tu étais en train de faire la fête avec tes copines. C'était vraiment une catastrophe, tu as saccagé notre maison. Donc maintenant, je veux bien être sûre qu'on est d'accord sur cette ligne. C'est-à-dire, tu n'invites personne pendant notre absence, tu restes là bien sage. C'est bon, j'ai plus 10 ans! Arrêtez! Trop la honte! Tu te rappelles des règles que nous t'avions données déjà avec ton père la dernière fois? Oui, bien sûr, je m'en rappelle. Je ne mange pas de cochonneries après 21 h et je dois aller me coucher au plus tard à 22 h 30. Je n'oublie pas bien évidemment de vérifier que toutes les portes sont verrouillées et les fenêtres. Et puis, je ne fais rien dans la cuisine à part réchauffer au micro-ondes. Oui, c'est ça, hein, parce que la dernière fois que t'as voulu te faire une pizza au four, t'as failli cramer la maison. Si j'avais su que c'était aussi compliqué d'utiliser un four traditionnel, je ne l'aurais pas fait. Bon, Cassandra, t'as vraiment une excuse à tout. Enfin bon, tu sais que ton père et moi, on sera de retour demain après-midi, grand maximum. Oui, je sais, c'est demain matin votre concours de danse hip-hop, mais vous y allez déjà ce soir, comme ça vous êtes déjà sur place. Et j'ai bien compris. Tu sais, maman, je t'ai écouté tout à l'heure quand tu m'as parlé. Regarde comment ton père, il est motivé. On va gagner ce concours, on va ramener le trophée. Oui, c'est sûr, vous allez gagner. Je vous ai vu en répète, c'était super. Ainsi, tu pourras dire à tes amis au lycée que tu as des parents qui font de la danse et tu pourras leur montrer la vidéo. Non, non, ça ira, je vais garder ça pour moi. Bon, chérie, on y va. Il ne faudrait pas que l'on soit trop tard, parce qu'il faut que l'on se repose quand même avant de faire notre danse demain. Je te fais un bisou. Mouah. Ah bah enfin, ils sont partis! Oh là là, qu'ils sont collants ces parents! Je vais fermer la porte à clé, ça par contre, je vais pas oublier! Et voilà! À moi la télévision pendant toute la nuit! Je vais faire ma meilleure nuit blanche! Mais non, pourquoi tu l'as trompée? C'était la femme de ta vie! Vous étiez mon couple goal, vous étiez. Je n'en peux plus! J'en ai vraiment marre. Pourquoi c'est toujours comme ça dans les films américains? Pourquoi il est toujours obligé de faire ça? Et puis, il va revenir vers elle. Et puis, ils vont finir ensemble. Dans tous les cas, j'espère qu'elle va pas accepter de se remettre avec lui. D'ailleurs, il est quelle heure? Ah! Bientôt minuit. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir poireauter devant la télévision sans avoir ma mère derrière qui me dit « Allez, Cass, va te coucher, il est tard. » Et j'ai la télé rien que pour moi. Et mon père, il ne regarde pas ces séries policières. C'était quoi ce bruit? Je vais peut-être aller voir à la fenêtre. Ça se fait, c'est mes parents qui rentrent plus tôt qu'ils ont changé d'avis. C'est quoi son délire à lui? Qu'est-ce qu'il fout devant chez moi à regarder ma maison comme ça? À fixer? C'est trop bizarre, en plus il bouge pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui il est revenu pompette de soirée, je sais pas ce qu'il a mais... Ça me met un petit peu la chair de poule. Mais comme il bouge pas, si je recule, est-ce qu'il bouge? Ah bah non, il bouge toujours pas. Est-ce que c'est des voisins qui sont courants que je suis toute seule et qui me font une mauvaise blague? C'est possible, je suis sûre que c'est Quentin, le fils des voisins. Il se venge de la dernière fois. Il se venge, c'est sûr. Ah. Oui, il bouge toujours pas. Et si je me mets là? Il est toujours là et il regarde toujours dans ma direction. Enfin, ça se fait, il regarde pas ici, mais... À cause de son masque, j'ai bien l'impression qu'il regarde vers moi. Encore un bruit? Et cette fois-ci, il vient de l'autre côté.
Mais c'est impossible. C'est mon jardin derrière. Pourquoi il y aurait quelqu'un dans mon jardin? Faut que j'aille voir. Oh non, c'est pas possible. C'est quoi ce délire? Ils sont carrément plusieurs. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ok Cass, réfléchis, réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire? C'est peut-être des cambrioleurs. C'est ça, c'est des cambrioleurs qui pensent que mes parents sont partis et qu'il n'y a personne à la maison. Ça veut dire que si j'allume peut-être toutes les lumières et que je fais du bruit, ils vont se dire qu'il y a quelqu'un. Ils m'ont peut-être pas vu à l'intérieur de la maison. Et comme ça, ils vont déguerpir. C'est ça, c'est ça. Pense rationnel, Cass. Pense rationnel. Je vais faire ça. Je vais allumer toutes mes lumières. Toutes. Je vais allumer toutes les lumières du salon. Et je vais faire du bruit. Je pense que ça va le faire. Je sais que je devrais peut-être appeler la police. Mais si cette technique elle marche, ça sera pas plus mal. Parce que si j'appelle la police et que mes parents sont au courant, ils me laisseront plus jamais toute seule. Alors que là, si c'est juste des cambrioleurs, enfin juste, c'est quand même grave, mais... C'est quand même grave, mais ils vont pas cambrioler la maison s'ils savent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ils sont plus là. Je ne vois personne devant. Ça doit être bon signe, je pense. Plus de mal, enfin plus de peur que de mal, comme qu'on dirait. Allons transgresser une nouvelle règle. Manger des cochonneries après 21h. Check, pizza. La pizza froide, c'est bon. J'aime plutôt bien. La lumière. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la lumière est éteinte? Je vais la rallumer. Allume-toi, maudite lumière. Allume-toi. Ça ne marche pas. La lumière ne veut plus s'allumer. Pourquoi? C'est les fusibles qu'ils ont sauté? Là, c'est trop. Là, c'est trop. Je vais appeler la police. C'est trop. Pourquoi ça sonne pas? Pourquoi j'ai pas de réseau? J'ai toujours eu du réseau chez moi. Pourquoi j'ai pas de réseau? Oh non, est-ce que ce serait pas le genre de cambrioleurs qu'ils ont des brouilleurs de réseau? Et qui brouillent les réseaux wifi et les réseaux de téléphone? Mais et s'ils sont au courant que je suis à la maison, pourquoi ils veulent quand même me cambrioler? Et si ce n'étaient pas des cambrioleurs? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Réfléchis, Cass, réfléchis. Oh mon dieu, mais il est juste devant ma fenêtre! Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas sortir de chez moi, je sais pas combien ils sont, ils encerclaient ma maison. Qu'est-ce que je vais... Je commence à paniquer. Panique pas, Cass, panique pas, c'est vraiment pas le moment. Si c'est des cambrioleurs, ça veut dire qu'ils veulent juste voler des choses de valeur dans la maison. Ils veulent pas forcément me faire du mal. Pourquoi ils me feraient du mal? Ils ont qu'à prendre mes affaires, c'est tout. J'ai qu'à aller me cacher. Je sais, je vais aller me cacher. Comme ça, ils vont rentrer dans la maison. Ils vont cambrioler la maison, ils vont repartir et ils vont me laisser tranquille. Et quand ils seront repartis, j'irai voir le voisin pour lui demander de l'aide. Pour qu'il appelle mes parents et la police. Je vais faire ça. Est-ce que je devrais monter à l'étage? Si je monte à l'étage, peut-être qu'ils vont juste cambrioler le rez-de-chaussée.
J'ai à peine eu le temps de me retourner 2 secondes et il est plus là. Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est. Oh, je panique. Je vais monter. Où est-ce que je pourrais me cacher? Sous le lit? Est-ce que je me cache sous le lit? Est-ce que... Non, pas sous le lit. C'est vraiment le premier endroit. S'ils veulent me faire du mal, c'est là où ils iraient me chercher. Ce serait clairement sous le lit. Mais j'ai pas vraiment de cachette. Et je suis un peu trop grande pour rentrer dans ma commode. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans mon dressing. Peut-être qu'ils penseront pas à venir dans le dressing. Et puis, ils iraient pas voler de vêtements aussi. On sait jamais si j'ai du réseau. Est-ce que j'ai du réseau? Non, toujours pas. S'il vous plaît, faites que cette chose n'entre pas dans ma maison. J'espère que c'était pas la porte d'entrée, mais il n'y a que ma porte d'entrée qui fait ce bruit-là. Quand on l'ouvre, est-ce qu'ils sont rentrés? Mais je ne comprends pas, ils n'ont pas fracturé la porte pour rentrer. Et je me rappelle, je suis sûre de moi, que j'ai fermé cette porte à double tour, à clé. Comment ça se fait qu'ils ont pu rentrer aussi facilement? Je reconnais, c'est le bruit de mes escaliers, ça. Est-ce que j'ai bien fait de me cacher ici? Est-ce que je devrais sauter par la fenêtre? Peut-être que j'aurais plus de chance si je sautais par la fenêtre. Ça va? Je suis au premier étage. On survit normalement du premier étage, non? À la limite, je me ferais une entorse, quelque chose comme ça. Je vais peut-être faire ça. Je vais sauter par la fenêtre. Non, c'est trop tard. Je peux plus sortir de ma cachette. Cette chose ou ces choses, ces trucs, ces cambrioleurs ou ce cambrioleur. Non, ils sont plusieurs, c'est pas possible. J'ai vu à des endroits différents. Il n'a pas pu passer d'un endroit à un autre aussi rapidement. Donc, ils sont plusieurs. Donc, ça se fait, je suis attendue à l'extérieur. Ça se fait, si je saute, dans tous les cas, il y a peut-être quelqu'un devant chez moi. Et peut-être que si je sors du placard, peut-être qu'ils sont déjà à l'étage. Je vais rester là. Est-ce que j'ai quelque chose au moins pour me protéger? J'aurais peut-être dû prendre un... Pourquoi j'ai pas pris un couteau? Là, j'ai rien. Je vais quoi? Je vais pas me défendre avec un sweatshirt ou avec un pantalon. J'ai rien du tout. J'ai même pas mes chaussures. Je pourrais même pas lui jeter ma chaussure. J'ai rien. J'ai que des vêtements. Faut que je me calme. Mais je suis trop stressée.